Quand ne se trompe jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans ce Winamax FC en direct de l'AB des Champs, Stade Mythique, Club Historique. On est allé à la rencontre de Jean-Marc Furlan, le coach de l'agia Il nous parle de sa carrière également, de sa façon de penser foot. Retrouvez tout de suite cet entretien exclusif pour le Winamax FC, régalez-vous. You know – Interview avec Pascal Dupraz. – Interview avec Pascal Dupraz, il dit l'autre. Mais il se fout de ma gueule, ça déconne. – Là, c'est un franquin, ça va mal finir. – Il m'a appelé Pascal Dupraz, le mec, il va <laughs> prendre un taquet, ça déconne, devant tout le monde. Un l'émission. émission. On fait une émission télé, de football, en fait, pas du tout. On fait une émission ah de business. – <laughs> Ça va ça mal finir. À la fin, tu vas te retrouver à faire des combinés gagnants devant la caméra. – quel horreur si je fais ça, je suis mort. Dans mon métier, je suis mort, oh, Tu en as parlé un petit peu, Jean-Marc. Tu as parlé de ton côté joueur boucher. Comment on fait pour passer d'un joueur boucher au style de foot que tu prônes aujourd'hui Moi, j'ai connu toute ma vie. J'étais formé. On avait, euh, comme disent euh, au hockey okay, sur glace, deux killers. Au football, c'était le 4 et le 6. Parce que, par... on... comme il y avait toujours des meneurs de jeu, on prenait l'avant-centre et le meneur de jeu. D'ailleurs, tu as... as des mecs, des avant-centres, avec qui j'ai joué pendant 15 ans, ils m'ont dit Comment toi, tu as pu jouer au football Tu courais après un mec pendant une heure et demie. Et c'est ça, on jouait et on courait. Et en plus, on était formés, euh, quelque part, entre guillemets, c'est très laid, très vilain, mais mmh. pour détruire. Le joueur en face, il y a même certains endroits où je suis allé, je fais beaucoup de clubs, où on disait, voilà, il voulait vraiment que le mec il disparaisse au bout d'une demi-heure de jeu, tu vois, <laughs> genre comme ça. Et euh, j'aime profondément le football, et j'aimais profondément quand j'étais gamin le football euh, de l'Ajax, mm -hmm. d'Amsterdam, mm -hmm. de CRIF, de Rep, etc. Comme j'ai senti aussi que dans ma vie de footballeur, ça ne m'a pas épanoui. J'étais très épanoui de jouer ou d'évoluer. De, ou de, J'ai joué évolué avec les meilleurs joueurs, parmi les meilleurs, du, les meilleurs joueurs du monde, des, des, comme Tigana, Gires, bon, Lyon, ouais. et, et, et Mais ce qui m'épanouissait profondément, c'était le jeu et attaquant D'ailleurs, ça m'est arrivé. Quand je, quand je, je démontais les avancées, il y a certains euh, qui me disaient Mais Jean-Marc, arrête, maintenant de nous, nous frapper et tout, on va changer le. J'ai dit Change le maillot si tu veux. Change -moi. Moi, je joue neuf. Et toi tu me frappes tout le match, je m'en fous, mais je joue neuf au moins. Quel plaisir de jouer neuf, tu vois, à la centre. Et du coup, j'étais très inspiré par ce côté, euh, le côté du jeu. Et puis, et puis à l'époque, euh, moi j'étais aux au Girondins, on était très british. C'était très dur. Et notre derby, c'est moins prégnant à, à l'heure actuelle, mais le derby, c'était excellent. Mmh. Mais nous, on allait, on les massacrait, on leur marchait sur la gueule, sauf qu'on en prenait quatre. <laughs> Chaque fois trois, et... quatre. Et puis, lorsque je suis arrivé à Lyon, jouer avec des gars comme. Bon, les gens, quand tu parles comme ça, les gens, ils vont dire, mais qui sait, ils parlent de, 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 de la guerre, quoi, ou quoi. Non, mais des gens comme Tigana, ou Kesa ou Moisan, ou mais euh, ben, ces gens-là, il y avait une très grande créativité. Et partout où on allait, moi, j'ai dit, on va, on, prend, on va prendre des buts, il ne faut pas qu'on encaisse de buts. Ils me disent, mais non, Jean-Marc, ça va, on en marquera un de plus. Et il y avait. Et j'ai ressenti une liberté de jeu, une liberté de, de plaisir, où tu te sens heureux parce que tu sais que tu vas marquer un but de but mmh. que l'adversaire. Alors, on voit tous les petits éléments rajoutés qui font que euh, j ai, j ai été, je, moi, je suis plutôt partisan, effectivement, même pas plutôt partisan, c'est vraiment une secte, euh, non, non, une franc-maçonnerie. Je suis partisan d'un but de plus que l'adversaire. Comme, comme je dis à mes joueurs, ça m'est arrivé souvent de le dire écoute-moi, si, si tu gagnes 4-3 les matchs, 38 matchs, 4-3 ou 5-4. Eh bien, tu es champion, non 38 matchs, 5-4. as la plus mauvaise défense. Donc, l'environnement, les supporters, la presse, tout va dire ouais, eux, ils sont mauvais en défense. Mais ils si t'avaient mis 5 à chaque match. es quand même champion. Et, et en plus, tu peux remplir les stades, je pense. Aussi, tu vois, <laughs> tu peux remplir les stades. Justement, tu m'as parlé un petit peu des joueurs du, du passé, euh, mais il y en a un autre du présent qui t'intéresse, in, t'inspire beaucoup, c'est Guardiola. Euh, tu le cites souvent d'ailleurs dans Très des bien. conférences de presse. Ouais. Est-ce que ça a été un tournant, lui aussi, dans ta façon de penser foot récemment euh, Sincèrement, non. C'est pas un mmh. Je pense que c'est aussi par rapport à. J'ai beaucoup lu sur, euh, sur beaucoup d'entraîneurs, et même un gars comme, comme Mourinho, qui a beaucoup gagné, qui gagne moins depuis 6-7 ans. Mais moi, je lis, je lis beaucoup sur beaucoup d'entraîneurs pour avoir une ouverture d'esprit. Euh, et puis, je respecte complètement la, le, le pluralisme du football. La pluralité du football, je la respecte, parce qu'après tout, voilà, mais je pense qu'il y a aussi euh, le fait que euh, notre philosophie, c'est ça. Et c'est surtout non, ce qui m'a beaucoup marqué, mais ça ne m'a pas influencé d'une façon euh, importante, comme m'a influencé Hiddink, comme m'a influencé euh, Johan Cruyff, comme m'a influencé il y a quelques années Luchescu. Le Roumain qui, et, qui, qui avait un football, voilà. Non, euh, c'est surtout l'idée que euh, euh, le, le Barça des 4 ou 5 années de, de Pep, qui de Guardiola, qui m'a impressionné. Euh, voilà, c'est surtout ça qui m'a surtout impressionné. Vois-tu, c'est pas, pas l'idée d'être marqué par, par ça, puisqu'il est entraîneur, moi aussi, mais c'est surtout ce qui m'a impressionné, ce que j'ai là que je viens de citer, qui m'ont influencé beaucoup, comme Luchescu, comme eding comme Kriff. Ça, par contre, ça, ça me plaît. Ou comme le FC Nantes de Suodo, de, 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 de Noex, euh, ou euh, voilà, ça, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, moi, c'est pas compliqué. Quand j'étais joueur, quand j'étais à l'armée au bataillon Joinville, euh, ou après, J'étais toujours en train de poser mille questions aux joueurs de Nantes. J'en avais marre à table. <laughs> J'ai posé <laughs> plein de questions sur l'entraînement, sur les, les concepts avec étais, Louis Camis. Étais à, étais à Bordeaux, Moi, j'étais au Girondin, au Olympique Lyonnais. Okay. Tu vois okay, ce que je veux okay. dire okay. J'ai fait beaucoup le club, mais bon. Et j'étais un peu partout. Mais comme euh, quand j'étais euh, voilà, à l'armée ou quand j'étais mmh. en équipe de France, etc. Et dès qu'il y avait un Nantais, je lui posais plein de questions sur sa, la façon de, 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 de pro les, les process qu'ils avaient pour euh, pour travailler, quoi. Voilà. Juste moi, il y a un truc qui nous interpelle, qui nous intéresse beaucoup quand on te voit, c'est les conférences de presse. D'ailleurs, ça marche très bien sur Twitter. Je ne sais pas si tu y es, mais tu es une star de Twitter. Est-ce que c'est aussi important que le terrain pour toi D'assurer une bonne conférence de presse Non, en fait, ce n'est pas ça. pas l'idée de Non, mais il y a de parce ça... qu'il y a beaucoup de coachs qui les bâclent, entre guillemets, ouais. où tu en ressors rien ouais. du tout. Non, tu sais ce que. Je... Ah oui, ça c'est intéressant. C'est l'idée de transmettre ma passion. C'est juste ça. pas... Tu, tu sais pourquoi Enfin, je vois. Parce que des fois, on m'envoie, m'a envoyé un ou deux trucs là, comme ça. Mais, parce que ici, quand je viens ici, c'est pas. Des fois, je suis impressionné quand tu arrives, qu'il y a 25 ou 30 ou 35 journalistes, Tu vois, je vais être beaucoup plus euh, euh, linéaire et, et, et fade. Parce que tu te dis, que, euh, comment, on va inter... comment les gens vont interpréter les choses si tu, si tu te libères ça. Puis des fois, après le match. T'es beaucoup plus euh, tendu, tu es, es marqué après un match, mmh. même si tu as gagné, es marqué parce que tu as, as dû vivre une heure et demie de stress importante. Mais là, pourquoi euh, certainement il y a des trucs qui sont repris, c'est surtout ici. Il y a quatre journalistes que je connais depuis un an et demi, et on est, on est dans, dans un, un point de presse, on est quatre. Non mais justement, tu pourrais, juste que tu pourrais ne pas leur donner. Ils sont que quatre, tu pourrais bâcler non, ça. Non parce que non, alors tu as, oui, tu vrai, tu mmh. as raison, c'est une très bonne réflexion, tu te... mais ce qui m'intéresse c'est de transmettre ma passion. Le football. Je suis passionné de football. Euh, nous, on nous prend, les footballeurs, pour euh, des décérébrés, pour des gens pas intelligents. Euh, très souvent, tu, tu entends des commentaires des intellectuels comme euh, dire euh, voilà, eux, ils gagnent trop d'argent Passer des. Non, le, le football est un lien social important pour le peuple, pour tout le monde. C'est un lien très fort, un lien identitaire. Et, et, et moi, comme je veux défendre à la fois les footballeurs et à la fois ma passion, le foot, eh j'essaie de, de transmettre pour. Euh, voilà, pour échanger, pour transmettre ce que je ressens profondément. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Et ça' ça rien à voir avec... C'est très naturel. Sincèrement, hein, ça n'a rien à voir avec euh, euh, un truc perso. Ce n'est pas, pas perso. C'est je, comment je, je transmets ma passion. Comment je montre que, euh, quelque part, euh, je veux je veux mettre en avant le, le, le footballeur en lui-même. Et puis le football est ma, ma passion. Voilà, c'est tout. Le mettre en avant, quoi. Tu, voilà, c'est ça. Est-ce que, si on va un peu plus loin que toi, est-ce que tu trouves que, est-ce que tu as un avis sur l'éducation en France par rapport au football Est-ce que tu trouves qu'on éduque assez les gens, les masses, à parler football correctement On n'éduque pas en France, c'est historique. Euh, vous, vous êtes très jeunes, mais euh, nous sur le plan sportif, autant en France, on est euh, tant sur le plan sincèrement politique, on est un petit pays qui est la sixième puissance mondiale. on, a, on met en avant l'art. On met en avant beaucoup de choses, euh, le côté intellectuel, mais depuis la nuit des temps, le football n'a jamais été mis en avant. Euh, on est un des rares pays où le, football, le, le, football, pardon, le sport en général est arrivé par l'aristocratie dans les siècles présents, pas par le peuple. Et donc du coup, ça n'a jamais été mis en avant. Donc c'est quelque chose de... Et en particulier entre sport à en nous, où on dit, voilà, ceux-là, ils sont... Mais c'est quand même le, le sport le plus populaire, c'est le sport aussi, tu te fais le plus plaisir. Tu prends, tu prends une petite fille de 6 ans, un petit garçon de 7 ans, de 8 ans, tu te régales. Et tu joues avec euh, des grands-pères de mon âge de 60, 60 piges, 70 ans, 75 ans, tu vas quand même te régaler avec un ballon. Tu te régales profondément. Et c'est un lien social très important qui touche toutes les classes sociales. Et c'est ça qui m'importe. Euh, et, et le problème, c'est que euh, très souvent, les intellectuels français, et encore, euh, dénigrent. Euh, tu vois, par exemple, moi, c'est une région du rugby. Moi, dans, dans ma, dans ma ville, c'est une fois la grande, il euh, n'y a quasiment que du rugby. Aller, pour faire du football, il fallait aller aux, aux alentours. D'ailleurs, nous, quand on était jeunes, on avait une licence rugby, une licence football. Dans ma ville, il y a euh, des, des gars qui sont nés comme Herbani, comme Hugo Mola, avec qui je, je suis ami. Mmh. Mais les mecs du rugby, chez nous, ils nous collent à nous, les footballeurs, on est toujours ensemble. Ils adorent être avec les fouteux. Et pourtant, le peuple français veut, veut à tout prix distinguer rugby et football. Mais nous, dans le sud-ouest... Joueurs de football et joueurs de rugby, ils ne nous lâchaient pas. Et moi, j'étais dans une équipe de vétérans où il n'y avait que des interventions de rugby des interventions de football. Mais ils ne nous lâchaient pas parce qu'il y avait avaient du plaisir à être avec, avec des fouteux Pour voilà. continuer sur ce lien entre toi, les supporters, les journalistes, là, c'est vrai qu'il y a eu des événements. Je ne vais pas te, faire, pas te faire parler sur Marseille plus précisément, mais il y a eu quand même des événements à Marseille, à la commanderie. Tu sens aussi que dans pas mal de clubs, Bordeaux, Saint-Etienne, il y a une fracture entre le club et une, partie, une grande partie des supporters. Est-ce que toi, tu le ressens, ça, en France Oui. Euh, oui, parce que, si tu veux, sur le plan social, c'est normal. Euh, contrairement à... Depuis, depuis le, la fin du XXe siècle, il se passe une chose, c'est que euh, les sports collectifs, le football en particulier, les sports collectifs, ont été créés... Euh, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, ont été créés pour un lien social, pour des valeurs sociales et des liens identitaires entre les gens. Et ont été créés pour que les gens vivent bien ensemble et s'éclatent ensemble. Ça a été créé pour ça. Mais depuis la fin du XXe siècle, le, le, les sports collectifs sont devenus éminemment capitalistes, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce côté économique fait qu'il y, y a des valeurs de projet, des valeurs d'identité, qui s'estompent, qui, qui s'effritent et du coup après ça pose problème pour euh, effectivement les supporters et ce qui peut poser beaucoup de problèmes c'est que déjà notre sport euh, peut générer de la violence et si le côté identitaire et social disparaît ou s'effrite ça va encore générer encore plus de violence et ça c'est assez logique parce que de, de tout temps on a créé les sports collectifs et les sports en général pour que euh, effectivement les gens se retrouvent autour d'une identité forte d'une culture sociale forte, d'un côté culturel qui fait qu'on se lit parce qu'on euh, euh, aime, euh, aime bien la GIA, tu as vu tous les fantômes qui a autour. Il y a, a Giroud, il frappe à la porte, la main est à la porte, il fait tac 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 tac, c'est lui qui frappe bien. Mais si tu vous... veux... Il y a Costa, ça, ça me fait la gueule. Elle n'aime est... pas que je dise ça, que je parle comme ça. Mais si tu vous... veux, le sport était fait pour... Un lien social très très fort, ça a été créé pour ça. Et maintenant, c'est parti sur des valeurs beaucoup plus économiques, où le côté d'entité forte locale et d'identité euh, peut s'estomper, disparaître. Avant, les entraîneurs pouvaient construire sur une décennie, dans les clubs euh, au XXe siècle. Maintenant, la durée moyenne de l'entraîneur, c'est dix mois. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont s'effriter, etc., et, 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 et qui vont, qui vont s'estomper, et qui peuvent disparaître. Et ça fait très peur. Sincèrement, tu as des sociologues ou des théoriciens, euh, dont certains, qui, qui, euh, André Melo qui était, qui était un ami, qui disait, lui, voilà, on va faire disparaître le football, alors qu'il était un passionné de football, à cause de ça, la montée, de, la montée euh, de, du fait que, ça, que ces, ces valeurs sociales et culturelles s'estompent. Moi, j'y crois pas que le football puisse disparaître, mais on peut faire un football de vitesse un jour, et on peut faire un jour le football des riches et le football du peuple, et ça, ça peut arriver. Avec les mêmes règles de jeu, mais ça, ça peut arriver, ça, oui, ça peut arriver. Euh, Est-ce que tu penses que ta façon de voir foot, parce que je me rappelle les premières conférences à Auxerre, tu avais très bien expliqué ce que tu voulais à Auxerre. Tu ne parlais pas que de terrain, tu parlais aussi de Redonner vie au club, du sourire un petit peu, aller vraiment dans les profondeurs du club pour changer les, les habitudes des dernières saisons. Est-ce que cette façon de driver un club, pensée globale plus demande de temps, elle est adaptée, tu penses, au foot aujourd'hui Alors, déjà, euh, j'ai envie, par... parce que si tu veux, c'est comme quand tu as un groupe, hum. c'est comme dans, dans une entreprise, euh, le management des ressources humaines est capital. Avant de commencer à avoir un projet profond et, et une méthodologie profonde, c'est le, le management des ressources humaines. Et surtout, ce que tu as envie quand tu arrives dans un très très beau club comme la GIA qui est historique, c'est envie de leur dire vivez le temps présent, s'il vous plaît. Vivons le temps présent, vivons pas avec le passé. Tu peux vivre avec le passé si tu mets, comme je dis à mon président, tu mets un musée, et là tu rentres le musée, là tu vis avec le passé. Mais sinon, si tu veux vivre heureux et vivre et, et construire l'avenir, tu vis avec le temps présent. Ça, ça me, paraît, ça me paraît essentiel. Et comment, avant, quand tu arrives dans des clubs aussi historiques que celui-là, comment tu impactes en premier l'équipe professionnelle Et comment tu passes un message quand tu rentres sur le terrain C'est ce que je dis à mes joueurs. Comment tu vas passer un message profond, pas superficiel, en rentrant sur le terrain en montrant qui on est Mais quand tu es entraîneur, évidemment, pour impacter durablement un club d'une façon, comme tu dis, des couches profondes, il te faut plus que deux ans ou trois ans, <laughs> évidemment. Évidemment, mais quand tu es coach maintenant, autant, moi je ne change pas ma philosophie, ou tu acceptes la philosophie de Furlan ou tu le dégages, ou même c'est lui qui dégage. Eh hey Constance, des fois, à une heure, je peux partir, je te laisse les clés, je me casse, voilà, C'est n'est pas compliqué. Et ce n'est pas une question de free ou quoi que ce soit, si ça me casse les couilles, si tu me gonfles, à une heure, je suis cassé, C'est pas compliqué. Mais autant, je ne vais pas changer ma philosophie profonde pour, pour séduire, convaincre les joueurs sur une méthodologie, Autant je, je vais me concentrer uniquement sur l'équipe professionnelle. Parce que tu ne peux pas, en quelques mois, le peu. Parce que les gens ont envie très rapidement euh, d'avoir des résultats ou, ou d'avoir, même sur le plan visuel, des résultats visuels. Ou qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Vois-tu Ça, c'est important. Donc, quand tu es entraîneur, en premier chef, et c'est ce que je fais comme tous mes collègues, tous mes amis entraîneurs, en premier, je m'occupe des 40 mecs tous les matins que je vais m'occuper. Puis après, tu peux trans. trans inspirer et transmettre des, autre chose, mais il te faut plus de temps pour ça après. Euh, nous, quand on a dit qu'on faisait l'interview avec toi aujourd'hui, il ouais. y a beaucoup de questions sur l'idée que tu devrais faire DTN plus tard, ah parce ouais. que tu as la pensée foot et, et que tu devrais distiller cette pensée foot à tous les coachs en France. Est-ce que cette idée de DTN, elle n'est pas dans ta tête un petit peu mais parce non, que c'est grâce alors, à ça, c'est grâce à ça que tu as démarré non, quelque part. Fait <laughs> mais, non, mais en fait, oui, c'est grâce, à... grâce à Jacquet. Enfin, entre, est... entre guillemets, grâce euh, à ouais, ça. Ouais. Mais toi, tu ne voulais pas vraiment être coach et il t'a limite, il t'a poussé. Euh, mais non, parce que quand j'étais à Limonde, je me disais, oh, je suis bien, moi je suis un CFA, tranquille, on m'a fini une petite voiture, un petit salaire, j'étais content, moi, c'est bon. Euh, bon. Et puis je me disais, avec les, les idées que tu as, euh, déjà... Quand j'allais euh, à Clairefontaine, j'adorais y aller parce que j'ai passé plein de diplômes alors que je n'étais pas entraîneur. J'étais entraîneur des petits euh, amateurs, des petits euh, des, des poussins, et j'adorais aller passer des diplômes. Mais souvent, je, je me foutais sur la gueule avec, avec certes, euh, certains, euh, 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 certains coachs, là-bas, con, confrères, qui, qui eux, donnaient des cours. Et des fois, ils donnaient des cours, mais moi, je n'étais pas d'accord. Mais j'étais le seul à ramener ma gueule. Je dis, mais non, mais dis pas ça. Et du coup, c'est marrant parce que comme j'avais joué contre eux ou avec eux, c'était sympa. quoi, Mais moi, je disais ce que je pensais. Mais j'adorais aller pour, euh, euh, par rapport à mon idée. Mais c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, ne va pas dans le milieu professionnel parce que je l'ai connu. Hein. J'ai fait 15 ans, 15 ans, 10 ans de Ligue 1, 5 ans de Ligue 2. Donc ça va, j'ai fait 15 ans de professionnalisme. Donc j'ai bien connu ce milieu d'une façon profonde en tant que joueur. J'ai dit. Parce que, effectivement, nous, on a une culture, et dans beaucoup de sports collectifs, et hein, ce n'est pas seulement le football, on a une culture, en premier, j'ai envie de dire pour l'exprimer très clairement, une culture comptable. C'est-à-dire qu'on a, on a transmis euh, la culture de, de, du résultat l'entreprise qu'on peut avoir, ce qui n'existe pas dans beaucoup de pays d'Europe occidentale, la culture comptable, sur, on a transféré sur le, sur le sport. Il mm. n'y a pas que nous, Rubis Bay. C'est-à-dire que, alors qu'on aurait dû transférer plutôt des, des cultures d'émotions fortes, que le football c'est des émotions, et que si tu arrives à faire un travail pérenne et profond, ça rentre tout seul la comptabilité, tu vois ce que je veux dire Et du coup, moi, je me sentais, je me sentais hors, du, hors du coup, et c'est Méjaquet Jaquet qui m'a obligé, il m'a dit, il dit, non, tu viens, je t'oblige à venir au diplôme, tu te démerdes, tu, fais, tu, fais, tu, tu viens, tu passes le diplôme, mais être euh, DTN je ne sais pas j'ai pas ça dans la tête c'est tu sais ce que tu veux euh, ce qui me, ce qui me, me plaît vraiment j'allais dire une grossièreté pardon c'est ce qui me plaît beaucoup c'est ce que tu dire. <laughs> <laughs> j'ai dit ce qui me plaît beaucoup c'est le contact avec les joueurs transmettre aux joueurs c'est le sens que je donne transmettre des choses aux joueurs euh, construire un projet alors que le le footballeur lui il conjugue sa vie au jeu première personne du singulier et comment, par tes arguments, par tes mots, tu le fais conjuguer à la première personne du pluriel, à nous Et comment tu construis un projet parce que tu les fais adhérer Et ça, 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 me, ça me plaît particulièrement. Ça me, tu vois, c'est ça qui m'excite vraiment. Et qui me plaît d'être au contact des, des jeunes tous les matins. En plus, c'est des gros chambreurs, ils n'arrêtent pas. Mais comment tu vois, tu vois. Je, et comment tu construis ça Après, l'histoire d'être. Euh, moi, je rêvais, tu vois, quand j'étais euh, au diplôme d'entraîneur, je rêvais d'avoir Suodo de Noex en, euh, en face tu vois, de moi. Mmh. J'en rêvais. Parce que ça jouait tellement bien au football, ça m'énervait. Chaque fois que j'allais jouer à Nantes, ça m'énervait. Je, je, parce qu'il jouait trop bien au foot, tu vois. C'est pour ça que je frappais. <rire> <rire> Mais comme les arbitres, ils ne s'y pas à l'époque, c'était bien. <laughs> en tant que coach, quelle place a le doute dans ton travail C'est oh. tout le temps, tout le temps mais ça, c'est une très belle question. Euh, dernièrement, j'ai lu un livre euh, d'un mec, d'un proche de Gordiola, qui, qui, euh, qui, qui l'avait suivi pendant le, ses, ses années au, au Bayern de Munich. Et, euh, et ce qui était impressionnant. C'était pas profond comme le livre, tout ça, c'est traduit en français, mais c'était pas. C'était ça m'a pas, pas. Mais les trucs qui m'ont passionné, c'est que. Et j'étais rassuré, vois-tu, parce que normalement, quand tu es entraîneur, le, le principe d'être coach, c'est de jamais faire preuve, de faire preuve d'une grande humilité. Tu peux pas avoir le melon. Parce que le doute est permanent. Voilà, c'est pas compliqué. Le doute, il est permanent. Alors, d'aucuns te diront, mais comment euh, Tu sais pas Non, il y a des choses qu'on sait. Mais au football, c'est la complexité de la vie au quotidien. Où tu penses que dans ta vie, tu es heureux, tout se passe. Et puis, il y, y a quelque chose qui, a, qui, arrive, qui arrive le soir qui, qui pose le problème ou le matin. Bon, mais au foot, c'est pareil. Et donc. Euh, le doute, sincèrement, c'est une très belle question. Parce que moi, je dis que, autant euh, sur mes convictions profondes, euh, sur les, les principes de jeu, sur les protocoles de jeu, là, par contre, je suis très euh, à cheval. Et je dis aux joueurs, toi, tu peux être créatif. Tu as une, ch une chance d'être créatif. C'est quand tu as respecté les protocoles, sinon, tu es mort. Je te le dis. <laughs> ils le savent, ils me le font souvent, ça. Les gens, il me faut souvent un sujet... Hé coach, il me faut souvent... Ce... Enfin, je leur fais ça. J'ai dit, si tu ne respectes pas les protocoles à la lettre, tu ne peux pas être créatif. Après, tu es créatif. Mais autrement, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'un entraîneur, euh, le football est un sport tellement imprévisible et aléatoire. Et et, euh, chaque week-end, les résultats te le prouvent. Hein. Et surtout quand tu fais des résultats, quand tu fais des matchs de, euh, à élimination directe, de Coupe de France, tout ça, qui prouvent que c'est le seul sport. Hein, euh, tu sais, au rugby, quand t'es gaillard, hein, ou que es... en dessous, euh, tu te déplaces, tu vas prendre 40 points, tu rentres à la maison, ta femme ne te reconnaît pas, hein, en plus. Hein. Et tu sais que tu as pris tes 40 points. Donc là, tu as intérêt de boire des coups, parce que t'es pas bien. Que, au football, tu sais jamais. Tu peux mettre une petite équipe, aller taper le PSG, etc. etc. Et donc, euh, je pense que quand t'es coach, euh, la principale qualité qu'il faut avoir, c'est le doute, je crois. Tu Et tu leur que... dis, des fois Tu hein leur dis que tu doutes. Aux joueurs ouais. euh... Bonne question. Je ne leur dis pas, parce que le joueur, de toute façon, je vais te faire une confidence. Euh, si tu pas cohérent et compétent, le mec qui est assis à face de toi, le joueur, en 10 minutes, il le lit. T'as compris En un quart d'heure, il va le lire. Ça veut dire que, et en plus, si tu restes 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois avec lui, et que tu pas à le convaincre sur ta compétence et ta cohérence, alors il va te lâcher. Et lui, il va dire, alors il va peut-être jouer pour sa famille pour ses amis, pour son plaisir personnel, parce qu'il y a des journalistes et à la télévision, il va se défoncer pour son plaisir personnel, mais par contre à toi, il ne te suivra pas. Donc, tu n'as pas besoin de dire aux joueurs, si tu doutes, mais moi je leur dis des fois, oui, effectivement, que c'est pas que je doute sur, sur mes convictions de, le, de, de leur transmission, c'est que... Euh tu doutes souvent du résultat. D'ailleurs, moi, je parle très peu de résultats à mes joueurs. Je parle très peu. C'est ce que d'ailleurs mi disait Michel Hidalgo disait, que j'adorais Michel. Michel. Hidalgo, il disait moi je ne parle jamais de résultats, je parle de jeu. Parce que le résultat, tu ne le maîtrises pas. Mais comment, comment tu peux faire pour convaincre alors que parce que tu as fait un grand match Et des fois, tu fais un grand match, des fois tu fais des... Euh, nous, à Jackson, on s'est fait bouger derrière moi, moi, on s'est fait bouger grave, on fait 0-0. Mais des fois, ça m'est arrivé, ça n'est m'est pas arrivé ici, mais ça m'est arrivé à Brest, où on était premier toute la saison. Et il y a deux ou trois matchs, dont un à Reims, un à Valenciennes, dont je me souviens, j'ai eu la honte de ma vie. On n'a pas touché le ballon pendant une heure et demie, on gagne un 0 à la 85e. là, quand tu arrives à un point près, tu te dis, qu'est-ce que je vais dire parce que... <laughs> Donc tu vois. Puis il y a certains qui vont se gausser, de dire, oh, on a été bon, on a été solide. Non, tu été mauvais, mais tu as gagné, parce que c'est le foot, ça arrive souvent. Sur les séances d'entraînement, euh, Jean-Marc, tu quel type de coach Est-ce que tu interviens souvent euh, Est-ce que tu es un peu plus en retrait Comment euh... tu gères les séances Déjà, je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, maintenant c'est le nouvel monde, mais moi je suis de l'ancienne catégorie, c'est moi qui crée tous mes entraînements. C'est une passion, j'adore créer mes entraînements hebdomadaires et tout ça. Pourquoi Parce que je veux qu'ils soient à la fois ludiques et aussi qu'ils soient en fonction de ma philosophie de jeu. Et ensuite, ça dépend des, des, ça dépend des séances. Par exemple, quand on est à J-4, il y a beaucoup plus de trucs athlétiques. Par exemple, tu serais venu ce matin. Il y, avait, il y avait beaucoup de 11 contre 11 mmh. euh, sous, sous, euh, euh, sous ma direction, etc., des, des, à thème, à thème hein, qui étaient arrêtés, des sorties de balles, etc. Bon, mais là, je suis euh, omniprésent. Et puis, il y a des entraînements où beaucoup moins, je suis là toujours, mais il y a des entraînements, quand pas, si ce n'est pas stratégique, je, je, laisse, je, je, je confie à mon staff. Comment tu donnes la liberté individuelle dans ce que tu demandes collectivement Est-ce qu'il y a des zones de terrain où tu leur dis... Là, ici, tu as une liberté un peu plus forte qu'ici. Comment tu gères ça Est-ce que tu leur fais totale confiance Mais t'es fou, tu fais pas confiance à un footballeur. Il est trop malin, trop rusé. Il te touche au tout, sinon il prend tout pour lui. Et le fouteux, il est trop malin, trop rusé. Non, le, le, le fouteux, il va te suivre aussi parce que tu vas lui enlever aussi parce que tu as le footballeur, le footballeur, comme je dis, tu as le très, 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 comme disait Ryo tu as le très, très, très fort footballeur. Très doué et tu as le très très fort vouloir fo fo professionnel. Tu as posé une question où il y a deux mots que je supporte pas liberté individuelle. <laughs> Quand tu es dans un sport -co, comme le football, si tu dis à un joueur de football. Les mecs, ils, on, on vient tous exciter. Donc si tu dis à un mec, liberté individuelle, il fait ce qu'il veut. Et il conjugue le football à la première personne du singulier, à un jeu. Et ce dont tu as besoin, c'est de, de fabriquer, de créer de très jeunes, des très très bons joueurs prof professionnels. C'est-à-dire que les gars qui, qui font le geste quand il faut au moment où il faut dans un match de football, et qui arrive à lire, euh, s'adapter à la lecture de l'adversaire par rapport à très principes de jeu. Alors, j'exagère fortement en disant liberté individuelle, parce que tu as envie aussi que les joueurs s'éclatent so et s'amusent. Mais le joueur, comme je leur dis, tu as droit d'être créatif quand tu as respecté tous les pro protocoles, mon grand. Et dans n'importe quelle zone du terrain, moi, je leur... N'importe quelle zone, jusqu'à la zone finale, je leur, je leur impose des protocoles. Si ces protocoles-là, c'est une méthodologie, des thèmes, des thèmes de jeu. Si, après, si tu, peux, tu peux respecter dès l'instant où as, tous les protocoles sont, sont en place et sont mis en place. Si tu, sinon, tu ne peux pas. Ou alors, tu as intérêt de réussir. Comme je lui ai dit. J'ai dit, mon grand, si tu ne respectes pas les protocoles et que tu veux être créatif, réussis. Parce que si tu loupes deux fois, tu es mort, mon grand. Donc, si... Si tu laisses la, créa la créativité, la liberté permanente aux joueurs, ils vont, ils vont lire. Tu sais, dans une pièce, comme je dis à mes garçons, on est 25 là. Est-ce qu'il y en a deux qui pensent le football de la même façon C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu mets 15 mecs autour d'une table, on va avoir des, des convergences sur 30 ou 40 du football, mais tu as 60 ou 70 où on va passer différemment. Donc, chaque joueur que tu as, que ce soit à l'OM ou à Paris, il pense. Le football différemment. Donc si tu leur donnes pas il il y a une ligne de conduite qui va leur permettre de jouer un football commun, qui va plaire aux gens, qui va être émotif, qui va être plein d'émotions, alors ils vont faire ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, c'est que quelle que soit la zone du terrain, eh bien, ils respectent ce qu'on qu a créé, ce qu'on a mis en place toute la semaine. Euh, tu as cité dans une conférence de presse, euh, tu l'as cité deux fois d'ailleurs, je crois, Zagalo, sur l'idée des paires de joueurs. Oui, Et j'aime beaucoup cette histoire, si tu peux nous la redonner. L'idée des paires, pourquoi c'est super important sur un terrain ouais, Comme le disait André Melo les binômes. Moi j'ai toujours pensé ça. D'abord parce que les gens, les, les théoriciens qui ont travaillé là-dessus, euh, sur les sports collectifs, je ne vais pas parler seulement des du... sports collectifs, si tu prends les bouquins universitaires des sports collectifs, euh, ce qu'ils qu enseignent à l'université, tu te rends compte que beaucoup ont travaillé sur les paires. Et ça vaut pour le rugby, ça vaut pour... Je, je, je connais beaucoup moins... Euh, je connais mieux le rugby que le, hand, que le basket, mais ça vaut pour beaucoup de sports collectifs. Et j'adorais l'expression de Zagallo parce qu'un jour, j'ai lu ça et j'étais complètement en phase avec lui. Et j'aimerais discuter, je rêvais discuter avec lui longuement. Et il disait, quand tu as une bonne paire... Tu ne perds pas de match. Quand... C'est exagéré, évidemment, hein, c'est caricatural. Mais quand tu as une bonne paire, tu ne perds pas de match. Quand tu as deux bonnes pertes, tu gagnes tout. Mais c'est vrai qu'en plus, tu te rends compte que c'est magique. parce euh... qu ce que, as parce que, que ça m'est non, non, mais ça m'est arrivé... Je n'ai pas envie de parler de cette année parce que je ne veux pas non plus non, me... me porter vrai. la poisse. Je <laughs> n'ai tu sais, pas envie de me porter la poisse. Donc, mais mais ça m'est arrivé. Parlé. Ça m'est arrivé, tu vois. Tu vois, dernièrement, tu as... Euh le Nîmes olympique, ils sont montés. Pourquoi ils ont tué la Ligue 2 Parce qu'ils avaient Bozock à Louis. Et moi, et, 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 et ils ont flingué la Ligue 2, avec ce, avec ce couple, qui après, ils ont, qui, qu ils ont euh, sorti, qu'ils ont détruit et qui ne fonctionne plus. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, euh, en, je vais parler quelques années, mais même, même, euh, à, euh, même à Brest avec, euh, avec des garçons comme euh, Autrette et, et Charbonnier, ou même je, une fois, je prends Grax, Sébastien Grax à Monaco, je le fais venir, au bout de 10 jours, j'étais là, je regarde, jours, 8 jours d'entraînement. Il y avait Nivet qui était là, j'ai dit mais les deux là, alors qu'ils ne se connaissaient pas, alors que voilà, ils ne se connaissaient pas, j'ai dit mais ils vont, ils vont flinguer la Ligue 2, ils ont flingué la Ligue 2, et c'était parce que tu les mets sur le terrain, euh, ouais, il y avait, euh, quand moi je jouais, alors quand je dis ça aux jeunes, ils vont dire mais qui sait ça, Parce que les je jeunes ne savent pas qui sait mais quand je jouais que tu jouais reste la Lacombe, t'étais mal, t'étais très mal, parce que c'était des pères qui te faisaient basculer les matchs, mmh. tu vois, et... et et ça, ça, souvent, ce qui est là où il faut être très modeste, c'est qu'en fait, tu découvres ça. Il y a des gens qui ont voulu construire des paires, mais c'est quelque chose qui... Il y a des mecs qui ne se connaissent pas, il y a même des mecs, des gens au football, qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, et qui, qui, sur le terrain, entre guillemets, se marient très bien et, et font des paires fantastiques. Alors que dès qu'ils sortent du terrain... Euh, mais ils n'ont pas forcément des rapports euh, euh, amicaux, tu vois, je veux, dire, je veux dire très proches. Mais quand ils sont sur le terrain, tout, tout correspond, tout rentre dans, dans, en phase. Et ça, c'est quelque chose de magique chez nous dans notre sport. Là, tu parles de, des pairs et peut-être des choses que tu maîtrises moins. Parfois, ça te tombe un peu dessus, cette idée de pair avec Grax et Nivet. Mais c'est plus sur le collectif global, sur une équipe globale. Comment tu fais pour garder l'entendre dans un vestiaire pour qu'elle soit toujours vivante, pour que ça se passe correctement la majorité du temps. Comment tu fais ça Oui, c'est avec l'expérience, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce que j'ai pu vivre moi en tant que joueur. Mais c'est vrai que là, par exemple, dans l'incertitude du management et des ressources humaines, c'est là où, par exemple, quand tu me parlais de doute tout à l'heure, le doute est permanent et que la vigilance est extrême. Euh, par exemple, une, une parmi pas mal de multifacteurs qu'on peut utiliser, c'est euh, euh, déjà être vigilant sur le nombre, par exemple. Un nombre, euh, moi quand j'ai débuté, euh, je me rappelle une fois, euh, j'ai échoué, j'étais à Strasbourg, j'ai échoué, c'est l'alliément veulent, mais on était 42 dans le vestiaire. Quand j'en discute encore avec Anthony Weber, il me dit Mais c'est pas possible, coach. Déjà, 42. Nous, quand on a commencé à gérer, 35, 38, il n'y a pas de réussite, c'est possible. C'est échec obligatoire. Donc, tu as déjà le nombre tu as aussi des fois euh, des gens qui ne s'adaptent pas au groupe et que, que, comme dans une entreprise, il vaut mieux les sortir du groupe, tu veux ce que je veux dire. Puis, tu as aussi, ce qui est très important, c'est ce que disent souvent euh, le manager de sport, comme disaient les, les théoriciens comme André Menot et d'autres. C'est le logos qui, qui, qui est important, c'est-à-dire le discours. Et tu ne peux pas les laisser comme ça. Moi, il n'y a, y a pas un entraînement où ils sortent, où je ne leur parle pas une minute ou deux minutes ou trois minutes, de leur, de, de leur donner une direction et de leur donner euh, des mots qui vont être dans un consensus global pour qu'on ait tous ensemble une ligne directrice. Et après, y a autre chose qui est très importante, et tu vois que c'est multifactorial, parce qu'on pourrait y rester longtemps, c'est euh, qui est très très important avec les jeunes. De notre génération, qui n'est pas notre génération à nous. Les jeunes, maintenant, il faut s'en occuper individuellement. Et ce qui est fondamental, c'est euh, comment tu l'intérêt que tu portes à l'individu. Ça, c'est fondamental. Ce n'était pas le cas de notre génération à nous. Génération à nous, c'était la guerre. mais te parler, c'était dictatorial. C'était une, une, une gouvernance dictatoriale. Là, maintenant, c'est interdit. Et l'intérêt beaucoup, c'est de s'occuper individuellement des joueurs et particulièrement, particulièrement de ceux qui sont en difficulté, d'être encore plus vigilant et plus proche de ceux qui sont en difficulté, qui ont moins de temps de jeu et de s'occuper d'eux. Euh, tu vois, par exemple, le, le travail un des travaux les plus, euh, je trouve un travaux les plus, les plus lourds de l'entraîneur, en fait, ce qui me concerne, c'est par exemple les entretiens individuels, parce que c'est ce quasiment permanent pour moi. Euh, un coup l'un, un coup l'autre, et, et les vidéos individuelles aussi. Et ça, par contre, je ne délègue pas. Je ne délègue pas parce que, pour, pour justement, pour voir si c'est possible bien tenir le groupe et voir s'il y a des divergences entre eux, ou comme ça, ou s'il n'y en a pas. Au début, quand on arrivait aussi, on a dit, euh, on, on va lui dire à Jean-Marc, euh, il joue en 4-1-4-1. Et puis je me suis dit, si je ne vérifie pas les positions moyennes des joueurs sur un site de stade, je vais me faire défoncer. Ah. Et en fait, la majorité du temps, tu joues bien en 4-1-4-1, oui, oui. dans une forme de 4-1-4-1. Et c'est quand même, je trouve que la disposition est particulière. Comment tu as eu cette idée tactique avec vraiment Biramatouri en 6 ou Kouef et les quatre devant sur la Ouh. même ligne avec Ouh. le billon devant Oui. En fait, non. En fait, sincèrement, par rapport à ça, et je pense que nous, les entraîneurs, on est tous en phase là-dessus, c'est que euh, le, la, le, le, le concept, et d'ailleurs, ça fait beaucoup parler, les, les systèmes euh, ne sont qu'un qu un appui, un concept par rapport à l'animation et ce qui est important, mais ça je pense que tous les entraîneurs on est en phase là-dessus, c'est que l'animation va correspondre à la complémentarité des joueurs, et comment tu trouves la bonne animation, d'ailleurs en début de saison, euh, on a manqué de matchs amicaux avec le confinement et tout ce qui s'est passé, et nous, le fait qu'on n'ait pas joué les, les dix derniers matchs, ça nous a beaucoup, beaucoup pénalisé, nous, dans notre, dans notre conception de construction à la GIA, et bien, en début de saison, par exemple, on n'était pas prêt à ça, parce que j'avais pas eu le temps de bien lire euh, les complémentarités euh, des joueurs et comment on pouvait ça que euh, moi je pense que beaucoup d'entraîneurs font ça on, je ne fais en ce qui me concerne il y a d'autres qui, qui adorent un système mais là par contre maintenant si tu adores un système mais tu as intérêt de rester 7 8 ans dans, <laughs> dans un endroit parce que es sinon pour pour mettre pour pouvoir prendre des joueurs qui vont correspondre à ton système mais moi ce qu'on fait ce que je fais souvent et c'est quoi je suis pas le seul mais beaucoup d'entraîneurs on va on va mettre en place des systèmes qui correspondent à la complémentarité des joueurs, à leur, à leur capacité à bien s'entendre, etc. Et par rapport à ce que tu vois mmh. à l'entraînement. Et c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, c'est la première année que je joue dans ce système. Tu avais ça commencé avait... en 4-2-3-1 plutôt, non Oui, exactement. En général, je jouais souvent en 4-2-3-1. Ça m'est arrivé de faire du 4-4-2, mais, mais euh, la plupart du temps, je joue en 4-2-3-1. Et c'est la première année que, que je joue à ce système-là, parce qu'en fait, j'ai mmh. des joueurs qui correspondent vraiment bien. À ce, cette complémentarité-là et qui, 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 qui s'emboîte, ça s'emboîte bien. Quoi, voilà. On a sélectionné cinq questions de, de Twito sur Twitter. Donc il y a notre ami Nando qui te demande Y a-t-il un club que tu rêves d'entraîner Et si oui, pourquoi les Girondins de Bordeaux <laughs> Parce que le mec. Non mais arrête Le, le, le Nando c'est le toi des Gigi lui. Oui. Parce que j'ai le scapulaire gravé sur le cœur. J'ai le <laughs> failli mais... y aller en plus. Oui, j'ai failli y aller. Oui. Juste après oui, oui. Strasbourg, non Non, parce qu'ils m'ont appelé, j'avais tenu. Je pas signé à Strasbourg. Et j'avais donné ma promesse au dirigeant de Strasbourg. Et comme je suis un homme d'honneur, euh, et le lendemain matin, Jean-Louis Triot m'appelle et il me dit Tu rentres à la maison. Je n'avais pas signé. J'aurais pu très bien dire euh, à Strasbourg Voilà, j'ai Bordeaux et je m'en vais à Bordeaux. Mais comme j'avais donné ma parole d'honneur et que j'ai qu'une parole. Eh j'ai respecté ma parole, c'est tout. Mais c'est vrai que Jean-Louis Trudeau, trois heures au téléphone, tu reviens, il m'a dit, tu rates Il y a peine de clubs que tu rêves d'entraîner. Tu tu Lyon, Marseille, Lens. J'ai vécu deux ans à Lens, j'ai beaucoup aimé Lens. Tu vois Mais euh, tous ces grands clubs, ça, ça, fait rêver, quoi, ça fait rêver. Il y a Larbi qui te demande, enfin il te, il te dit que euh, tu as deux mamelles, faire passer des émotions et le développement des joueurs. Euh, il aimerait que tu évoques Mathuidi et Sidibé. Deux joueurs que tu as lancés, champions oui. du monde. Oui. Ça aussi, on a peu parlé finalement, mais tu as parlé de faire passer des émotions, mais le développement des joueurs, c'est très important. Oui, ah non, oui. Euh, le, le, le premier sens que je donne, je te l'ai dit, comment euh, je, je promotionne mes joueurs, comment je leur apporte quelque chose, comment ils ont, comment ils ont envie de s'éclater, voilà, de, comment je leur transmets ça. Et ça, ça c'est le sens que je donne à ma, à ma passion. Après, tu sais, quand tu as. Euh, quand on t'amène, ma tu dit, quand le directeur du centre de formation de Troyes, de, 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 de parce qu'il était Marseillais, de Troyes vient, il était là depuis combien de mois Depuis un mois et demi, il vient, il vient me dire Jean-Marc, euh, j'ai un mec là, j'ai un garçon de 17 ans, euh, c'est exceptionnel, il n'a rien à faire moi. Alors moi je lui dis Mais quel âge il a Il me dit 17 ans. Je lui Quoi Mais tu es, es là depuis combien Et euh, il me dit Il a, c'est plus un mois. Tout le monde me chamerait sur, sur Blaise. Non, il n'y arrivera pas. Il n'est pas assez ci, il n'est pas assez là. Il était gros comme ça. Donc, il, et j'ai dit, moi, lui, ça sera nos limites. C'est le seul joueur que j'ai dit ça depuis, depuis 30 ans. J'ai dit, lui, ça sera nos limites. Vous avez compris Et alors que tous les copains, les parisiens, les journalistes ils me disent Non, je te jure, ça passera pas, tout ça J'ai dit lui, ça sera nos limites. Et quand Ancelotti, a, quand, a, Il continue à m'appeler. J'ai dit à Paris, lui, quand Ancelotti va arriver, il mettra un blaise et après il mettra les autres. C'est ce qu'il a fait. <laughs> parce que c'était incroyable. Et Djibril, lui, il était arrière central au centre de formation de Troyes. Et euh, quand il est arrivé avec moi, parce que quand je suis arrivé, Fred Adam et les autres, ils m'ont dit on a un très bon joueur de 18 ans, euh, tu vas voir, c'est notre meilleur joueur au centre de centre formation tout ça. Donc il est venu avec les preuves avec nous quand je suis arrivé. Là cette année-là on est, on, on est, on est champion de France de Ligue 2 au monde. Et lui, je lui dis tu ne joueras pas à arrière central, je vais te mettre arrière droit euh, je les fais souvent ça, parce qu'arrière les arrières il y en a très peu, et puis, comme maintenant, ce sont nos meneurs de jeu, entre guillemets. En fait, dans mon système à moi, ce sont des meneurs de jeu. Et du coup, Djibril, il a, il a explosé, euh, explosé au poste d'arrière droit. Et... Mais tu sais, quand tu as des joueurs d'exception comme ça, j'en ai eu 4 ou 5, comme Gamero, comme chez Derlin. C'est Baffet. Oui, aussi fait Et, ouais, ouais, et c'est quand même assez. Euh, ça fait drôle. Parce que, ou des gars comme, comme Benjamin Nivet, ou des gars comme Grax, parce que tu sais pourquoi ça fait drôle. Parce que quand tu as des concepts, et ça je l'ai connu avec d'autres, il hein. y a des fois, quand es, selon la division où tu es, ton concept, il va être appliqué, ou de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et tu as certains mecs, tu leur dis, voilà, c'est comme ça, comme ça, tu leur expliques, c'est comme ça et pas autrement. Et en 2 heures ou 3 heures, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe Ils ont tout appliqué. C'est-à-dire que les mecs, ils rentrent, s'ils si, 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 si adhèrent à ton truc. Tu fais trois entraînements, tu te dis, maman, qu'est-ce que c'est Tu vois, dis, boum, ça tombe, tu vois. C'est ça le niveau international, ça tombe aussitôt. Guillaume Doval qui te dit pourquoi Benjamin Nivet n'a jamais été appelé en équipe de France. Parce qu'il n'est pas espagnol. <laughs> je lui ai dit à Benji depuis tout petit, j'ai dit, toi tu serais né en Espagne, tu jouais à Madrid, Madrid Barcelone, tu es international. Nous, en France, ce qu'on veut, c'est que tu fasses 1m90 et 90 kg et que tu courras le 100 mètres en 10 secondes. « Et toi, tu fais ça ?» Il me dit « Non, je ne fais pas ça. <laughs> » Mais c'est vrai, quoi. Benji, tu vois, c'est comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Dinosov, il disait à Paul, Paul aussi. Benji, sur un terrain, il faisait tout juste. Juste, incroyable. Il savait défendre, il fait 1,73 73 dans le jeu aérien, exceptionnel, il pouvait, il pouvait te prendre le ballon, à un mec de 1 90, un mec 95, il lisait la trajectoire, il savait tout faire, quoi. Et, et comme un meneur de jeu, c'était... C'est magique, quoi. Je veux dire, là, voilà... J'allais dire une grossière, tiens, Mais bon, c'est trop magique, c'est trop beau, tu vois. T'as des mecs, vraiment, ils te, ils, ça, 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 quand es dans le stade, ça te, ça te fait, euh, ça fait quelque chose, une émotion fantastique. Mais Benji en fait partie, de ces gens-là, tu vois. La dernière, c'est The Stone, qui nous dit « Dans ta famille, on est soit maçon, soit curé. À quel moment ça et pour toi ?» <laughs> Ça, le mec, il est beau. C'est exactement ça. C'est exactement ça, le mec, il est trop beau. Parce que quand j'étais petit, mes oncles... Euh, nous on est, quand euh, il me disait toujours mes oncles, toi n'oublie pas, tu es un petit bâtard 50% italien, 50% français alors il dit bon, moi j'allais moi, voir mon père j'ai pourquoi les oncles qui me disent ça et puis c'est vrai, euh, mon père il me disait tout petit il me dit voilà, il y a deux solutions petit ou t'es curé ou t'es maçon ça a foiré, ouais, a foiré.